bonjour. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Ark. Donc, comme vous avez pu le voir, on a perdu l'ensemble de nos dinos suite à une petite erreur de ma part. Pour compenser en fait le retard que j'ai causé, on a retame pas mal de dinos, mais bon, qui sont pas forcément intéressants à montrer en live. On a deux Argentavis, deux Pteranodons, un Pelagornis, on a retame après, on a un Sarco, un Ankylo, une Tortue, un Trake, et c'est tout. Et c'est à peu près ça, ouais, hein. On a fait le tour là. Et un Fiomia. Oui. Très important le Fiomia pour voilà. Le caca. Aujourd'hui l'objectif donc c'est de faire la grotte. C'est le plus important pour l'instant, c'est de vraiment réussir à faire un petit objectif sympa. Le but du coup c'est d'avoir de la peau, de la chitine, et puis les ressources qu'on pourra trouver, les coffres, etc., les crates. On verra ça. Du coup voilà, c'est une grotte qu'on a farm à peu près une vingtaine, trentaine de fois. Mais sauf qu'elle a été rework en fait il y a quelques mois, et du coup on a dû la faire sur la nouvelle forme deux fois tout au plus. Donc voilà, là c'est pas de la découverte, mais c'est quand même un bon challenge. La première fois qu'on y va en bateau aussi, parce que normalement on y allait en volant, mais suite au nerf des volants, bah, c'est beaucoup plus rapide d'y aller en bateau et on pourra ramener beaucoup plus de choses. Et donc on veut aussi ramener un petit scarabée. Sauf qu'on a oublié de prendre du caca. Donc on verra, sinon on ira en hors live pour chercher juste un scarabée ou deux et puis voilà. C'est ici. Brevet de pilotage de bateau, moi je vous le dis. Hop, c'est juste là. Qu'est-ce que tu fais? Je me parque dans le bon sens. Genre il y a un sens. Hop, on est stuff, on a tout ce qu'il faut, c'est parti. Juste derrière les bambous. Hop, c'est ici. C'est là. Allons-y. Alors dans cette grotte, il va y avoir des serpents, des scorpions et des araignées principalement. Ouais, je sais même pas s'il y a autre chose. Ouais. Donc ici, on n'aura pas besoin de prendre de fer et d'obsidienne. Normalement, c'est une bonne source de fer et d'obsidienne, les grottes. Mais vu qu'on a un petit peu farmé hors live, enfin on a fait deux allers-retours au volcan, on a suffisamment de fer pour tenir un moment. C'est ça. Alors... Oh putain! Mais what the fuck, mais c'est quoi cette histoire? Ils l'ont modifié. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais il me prend dans sa bouche, mais what the fuck? Oh putain. Depuis quand il y a des carnots? C'est pas des carnots. C'est quoi? C'est des mégalosaurus. Très bien. Je cours. C'est pas drôle. Il est toujours derrière moi ou pas? Je suis content que je sache. T'avais tout ton stuff en plus? Ah, j'avais tout. Mais what the fuck? Pourquoi il y avait ça? Attends, mais ça a combien de vie ça? Mille. C'est carrément faisable. Oui, c'est carrément faisable, c'est juste qu'on s'est fait surprendre en fait. Je recours. Faut que je cours là aussi, moi. Y'a moyen. Ah, oh, c'est bon, il est en bas. Comme quoi, on la connaît pas si bien que ça maintenant. What the fuck? On l'a fait du coup il y a quelques mois et il y avait pas du tout ça dedans en fait. L'autre il est mort ou il est encore en vie? Non, il est encore en vie. Après toi à faire la pas toi. Oui c'est ça oui. Il m'a trichote un truc du genre. Hein. Donc note pour plus tard, lire les patch notes qui sortent. Et ne pas faire. Allez, c'est bon on la connaît. Ah bah là ça n'a plus. Ah coucou. Plus rien à voir là. Cours. Non, ne cours pas, ça sert à rien, il n'a pas bougé. Il est où? Je crois qu'il va me tomber dessus d'un coup. Il a disparu. Ah, il est, il y en a un là.
A savoir que si on a un qui se fait choper, du coup il est mort. Visiblement. Et c'est encore pour moi. Non, pour moi aussi, t'inquiète. Waouh. On est tellement dans la merde. Bon. C'est vraiment chaud, quoi. Ça nous prend, ça nous tue. On était quand même vachement plus bas. Mais le souci, c'est qu'il doit pas être loin du corps. Enfin, du stuff, parce que là, il n'y a plus de corps à cette heure. Oh putain, oui. Vas-y, je l'attire plus loin. Je le fais courir. Récupère le stuff. Mais t'es où, là? Alors, les amis, il s'avère en fait que la créature, la horrible, vient de s'endormir. J'ai l'impression qu'il faut que je chuchote pour pas qu'elle m'entende, tu sais. Du coup, je peux aller récupérer. Donc, ça, c'est ton stuff, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton stuff. Donc, commence à pas trop courir. Il est où? Attends, on descend encore. Encore. Il est à gauche là dans pas longtemps. Donc là, tu te couches. Et tu y vas tranquillement. Pas besoin à ce point non plus. Pas à ce point non plus. Parce qu'il y avait ça dans des grottes plus haut level. Oui, bah ouais. Mais du coup, ils en ont mis dans celle-ci aussi. Donc en gros, on a intérêt à faire gaffe pour la suite, quoi. Ouais. Vas-y, bon, tu peux arrêter là. Ok. Alors. Hop, 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 hop. On va le tuer. On essaie de le tuer du coup, ouais. Bah ouais. Il a Vas-y. 2600 de vie. Il lui reste 2600 là? Ouais. Tu veux faire quoi du coup là? On attaque? Vas-y. 1, 2. Non, non! Attaque pas. Faut remonter d'abord. Vas-y, un par un. Comme ça, il y en a qu'un qui meurt si jamais. Vaut mieux que le stuff soit plus haut que plus bas. C'est bon pour moi. Ah d'accord. On tire, on court. Là, faut monter là où je suis. Est-ce qu'il nous a suivis? Ah ouais. Ok. Et B. Il était level 48, hein. Ouais. La difficulté fait qu'on peut avoir des monstres jusqu'au level au moins 100-120 par là. Ouais. Donc autant vous dire que si on était tombé là-dessus, ça aurait été différent. Enfin, déjà que là, c'était pas spécialement facile. Du coup, on va y aller tout doucement. Alors attention, est-ce qu'il y en a un autre? Non, mais il n'y a pas de scorpion ni quoi que ce soit. Pour l'instant, en tout cas, a priori, non. C'est peut-être random du coup ce qu'il y T'en a. fais voir ce qu'il y a en bas, là. Ici, c'est une bonne plateforme. Mais what? Qu'est-ce que Alors c'est en que fait, ça? bah, tout ce qu'on savait sur cet endroit ne sert plus à rien en fait. En fait, on connaissait les lieux et les mobs, et à peu près les lieux où se placer pour tuer les mobs sans trop s'en prendre plein la gueule. Là, on ne connaît plus rien. Oula, 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 attends, c'est Quoi? quoi ça? Qu'est-ce qu'il y Ah a? non, non, rien, c'est du fer. T'as ta longue vue ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc sur la rive d'en face? Hop. Non, y'a rien. Non, il n'y a rien. C'est chelou. On va continuer d'avancer. Il n'y aura quand même pas juste ces trois trucs là. Bah, je Parce que pense le pas. but aussi de la grotte est de récupérer l'artefact qui sert par la suite à invoquer un des trois gros boss de l'île. Y a rien? Attends, il y a un truc au milieu. Alors. C'est du fer. C'est vraiment C'est vide en bizarre en fait. On fait. voulait revenir avec plein de kitchen et tout. Attention là par contre. Là, c'est l'endroit le plus stylé. Il y a des bruits. Non? Ah non, c'est le bruit du. C'est vraiment hyper beau comme truc. C'est magnifique. Alors. Petit artefact du chasseur. Nice. Bah, on va faire le tour de la grotte, mais On a ce pour quoi on était venu. Parce que mon objectif quand même c'est après de faire des boss. Hein. il est possible que ça spawn aléatoirement. Le truc c'est que sur toutes les fois où on l'a fait, ça ne nous est
Jamais arrivé. Il y a un Reviens, on va. artefact en bas. Ah, il y a un artefact dans l'eau? Ouais. Ouais, enfin, c'est des... ça va être un blueprint des Oui, trucs tout c'est un pourris, quoi. blueprint ou quelque chose, ou un item bien. Mais on va le laisser. C'est chelou en vrai. Je comprends pas pourquoi c'est vide à ce point. Tu me suis? Ouais. Fais gaffe sur... Quoi? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai eu peur. Il y a des trucs là. Ah, voilà. Voilà ce pourquoi on était venu à la base. Des petites araignées. Je viens de faire une crise cardiaque, mon écran il a fait 3 tours. Je ramasse On était tellement en confiance là. un peu de chitine du scorpion. Ah, il y a un scarabée en plein milieu. Ouais, il y a 3-4 araignées qui nous arrivent dessus. Donc les toiles d'araignée nous ralentissent. Ça Tu se t'es fait ressent toucher pas toi? trop. Ouais, ça a fait que me toucher. Parce que du coup, les scarabées servent à faire du fertilisant en mettant du caca sur eux. C'est ça. Oh là, mais il y a les arthropodes et tout là. Hein. Oh, what the fuck, t'as vu la quantité? Ouais, j'ai eu ça. Il y a des scorpions. Il y a tellement de choses. Tu me dis quand t'es prêt. Alors, je tente le scorpion. Mais ils vont tous venir de toute façon. Ok, ils viennent tous. Aïe, c'était ma gueule. Par contre, ça va très vite. Il y en a d'autres. Scorpion, arthropode à droite. Oh, tu l'as mis à 500. Bon, là, ça fait beaucoup de chitine, du coup, ça c'est bien. Ouais, c'est ce qu'on était venu chercher. Donc c'est Attention! parfait. Ouais. Deux. L'autre, elle se barre là-bas, là. Attention! Savoir donc là le crachat que vous venez de voir, si ça vous touche, ça détruit l'intégralité de votre stuff. Ouais. Enfin, là, je sais pas, parce que du coup, on est quand même bien équipé en mythique, mais. Je sais pas ce que ça fait perdre, oui. Oui, parce que du coup, on vous l'a pas dit, on a du stuff mythique au niveau du stuff en cuir. On n'est quand même pas arrivé les mains vides en mode salut salut, mais on s'attendait pas quand même à une difficulté comme ça en fait. Déjà, je m'attendais pas au mégalosaure en fait. Il y a une note d'exploration là, non? Ah. On va descendre. Alors attention parce que là les herbes sont hautes. Je vais tirer une flèche à travers. Une autre note? Ouais, a priori. Ah. Attention. Tu t'es fait toucher, Collins. Ouais. Recule. Je vois pas où je vais. Monte. Non, j'ai pas pu monter, Collins. Faut que tu m'aides là. Ah, C'est bon, j'arrive. c'est bon, elle est morte. Elle est morte? Ouais. Ah, y a des boas qui arrivent par contre. Ouais. Ils sont où les boas? Ils arrivent logiquement. Là, ils arrivent dans l'herbe là. Ouais, vu. Ah, bah, j'en ai tué un. Ouais, il me semblait en avoir vu un deuxième de boa, mais je me suis peut-être trompé. Pour l'instant, je vois rien. Une note. Du coup, elle n'était pas si violente avant cette Ah grotte. ouais, non, pas du tout, non. Attention, hein. C'est bon. Il fallait des glitches. Il y en a deux. Il y en a un deuxième. Cours. Attention, on voit qui arrive. Ouais. Il y en a 3 si je me trompe pas. Ah, il est trop beau le Ah blanc. non, 2. Je Il crois était qu'il trop est beau. trop mort aussi. Ouais, mais il était beau. On a fait un tour en fait. On a fait un tour, non? Ouais. Ouais. Bah c'est fini. C'est fini. Tu sais rentrer là d'ici? Oui. Ouais, c'est. Ah ouais, il y a juste ça quoi. Mais il y a rien de toute façon dans l'eau. Faut bien pour ce qu'il doit y avoir dedans. Ah, araignée! Oh putain, je sais pas où elle est. D'où elle sort elle? Je sais pas. YOLO? De quoi? Tu vas aller chercher le truc là? Ouais. Vas-y. Je te couvre. Ou pas.
Oula, mais c'est grave profond, en vrai. Oui. Triceratops sont rares. C'est inutile. Génial! C'est quoi là-haut? Où ça? Attends, va, viens te mettre à côté de moi, là, remonte. Attends. T'es Enfin, là où là, lève toi? la tête, là où t'es. Ouais. Ça, là. Ça? Ouais, c'est quoi? C'est une bête. C'est une bête? Merde. C'est le dessous d'un. Ah, putain, oui. Oh, putain! Je cours et je me raccroche à la vie. Tu viens vers moi ou tu redescends? Ça te Viens vers répond? moi. Il est où? Là, ils sont tous les deux là. Mais il y en a un que t'as tué. Je le vois pas, le deuxième. Eh oh! Il est en bas, dans l'eau. Oh, il m'a cassé mes bottes. Nice. Du coup, la sortie, c'est par là-bas. Tu me suis? Par là-bas? Ouais, c'est là-haut. En fait, on fait une boucle là, Collins. Non? Si tu vas arriver Tout à fait. là où je suis parti, quoi. Faut jamais écouter Colin pour l'orientation. Et du coup, nous sommes ressortis. Alors, du coup, bilan de l'opération. 2000 de chitine. Ah oui. 14 kératines, ça on s'en fiche. 700 peaux. Un peu de viande. Et l'artefact du chasseur. Nice, ça c'est bien ça. On va pouvoir le mettre sur un petit piédestal. Retour à la maison. Bon, il y a un petit. Il y a un petit saut à faire, mais bon. Hop! Donc voilà, la base a un petit peu changé aussi. On peut maintenant ranger tous nos petits trucs dans plein de petites corbeilles appropriées avec le petit nom en dessous et tout. C'est vraiment cool ça comme mode. On a commencé à faire le centre d'usinage. Pour le moment, on n'a rien crafté dedans. Donc voilà les amis, j'espère donc que ça vous aura plu cette petite expédition. Ça a été un petit peu laborieux au début, mais on s'en est finalement sorti. Donc voilà, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et à laisser un petit pouce bleu. Et puis on vous retrouve dans le prochain épisode. Bye! Ciao!